parce que le moule, c'est un pays. Hein, je... Vous êtes pas d'accord avec moi? D'accord. Pays, ancienne capitale de la Guadeloupe, il faut le savoir aussi. Premier port de Guadeloupe, le moule. La ville porte bien son nom, puisque c'est ici que sont forgés un petit peu tous les grands esprits qui ont aidé la Guadeloupe, qui ont contribué au développement de la Guadeloupe par ses différents talents multiples. Je fais un cours d'histoire ce soir, hein, parce que, hein, comme je suis chez moi, je... Et cette salle, Robert Loison, nous permet de voir déjà quelle dimension nous donnons aux spectacles, aux concerts, aux manifestations qui se produisent régulièrement. Et c'est un plaisir que de l'avoir rempli ce soir pour ces groupes qui vont évoluer sur scène, des amis, des copains, des copines. Et ce soir, je demanderai déjà de vous applaudir parce que vraiment, c'est un plaisir que de voir que vous êtes vraiment ici avec nous ce soir. Sur scène, un enfant, une enfant du pays, une charmante voix qui, depuis quelques saisons maintenant, eh bien, fait parler le jazz à sa manière. Et de voir que justement cette voix porte au-delà de nos frontières, bouliennes, guadeloupéennes, caribéennes, françaises, européennes, mondiales, eh bien, ne peut que nous combler de fierté. Et c'est dans un trio, le Tricia Ivy Trio, avec Jean-Philippe Bordier à la guitare. S'il vous plaît. Autodidacte, inspiré de George Benson et de Joe Pass, rien que ça pour commencer, mais avec un talent affirmé, avec Xavier Richardot aussi, l'un des plus grands saxophonistes et baritons du monde, il faut le savoir, très modeste, hein, franchement, pour l'avoir côtoyé, je peux vous assurer que c'est quelqu'un de très humble et qui pourtant est doué comme tout, et à la voix, Tricia Ivy, c'est le Tricia Ivy Trio, je m'en vais vous applaudir bien fort.